Et voilà donc cette fameuse Renault 5 ultra moderne, électrique et tout ce qui va avec, mais est-ce qu'elle est vraiment sortie des années 80 et qu'ils l'ont électrifiée? Eh bien, quand on regarde le style, on pourrait le croire. Regardez-moi ça, cette face avant, ça ne vous rappelle pas. Son illustre ancêtre, la Super 5, je ne sais pas ce qu'il vous faut. On retrouve exactement, là, regardez, là, ces formes carrées, le logo qui est en plein centre. Bon, ok, là, on a quand même une petite façade bien fermée, parce que donc, c'est une voiture électrique qui a besoin de moins circuler d'air. Donc, c'est quand même un peu plus fermé, mais tout y est, tout y est. Hop, souris sur le capot, regardez ça, là. C'est le chargeur de batterie, c'est l'indicateur. C'est-à-dire, quand vous la branchez, vous allez voir des tranches de 20% qui vont s'illuminer. Et donc, quand vous avez le 5 qui est illuminé, c'est-à-dire que la batterie est chargée à 100%. 100%. La batterie, elle est où? Elle est là. Voilà, là, la chargeur. Voilà, on la charge ici. Le petit chargeur 11 kW. Et le chargeur, là, viens là, toi. Il vient là. Bah non, il veut pas venir. Il veut pas venir. Pour de vrai. Je crois qu'il a jamais été sorti. Oh putain, ouais. Wow. Voilà. Et là, donc, là, voilà. Là, donc, vous avez le chargeur en courant continu qui peut aller jusqu'à 100 kW si vous avez l'option. Alors, est-ce qu'on n'a pas là le style des années 80? Regardez le profil. Ça, c'est la Super 5. Ça, c'est la Renault 5. On retrouve là ce tout petit capot assez horizontal avec les roues flanquées dans les coins. Et là, tout l'habitacle là qui est repoussé pour vraiment reposer sur le train arrière. Et là, cette ligne là fuyante qui est ici est la caractéristique première d'une Renault 5 et d'une Super 5, c'est ce petit C sur le montant C, justement, avec évidemment les optiques qui remontent sur le flanc. Et là, la poupe, le popotin. C'est clairement Renault 5, c'est clairement Super 5, on y est. Donc oui, le style, c'est très années 80, friendly, mais avec plein d'appendices ultra modernes, parce qu'il y a plein d'attention. Moi, j'adore, par exemple, là, ici, là, la petite barrette, là, vous voyez ça, les petits traits? C'est magnifique, le Renault 5, puis là, le logo du 5 en soi, il est super bien fait. Ça, c'est ultra moderne. Les dessins des optiques, là, des feux, regarde-moi ça. Ça, c'est moderne. Ça, c'est le 21e siècle, c'est pas le 20e siècle. Vous avez vraiment un mélange et un compromis que les designers ont pu faire avec les ingénieurs pour vraiment intégrer cette gueule de Renault 5 qui est juste hallucinante. Moi, j'adore. Et d'ailleurs, ça se voit hein, dans la rue. Les gens, bah, c'est sympa, hein, nous jettent le pouce. C'est plutôt assez rare hein, pour une voiture de cette catégorie-là. Généralement, c'est plutôt sur des Ferrari ou des choses un peu plus puissantes. Ou par exemple comme sur l'Alpine. L'Alpine, voilà, c'est un peu le même effet. Ah oui, petite attention, j'avais oublié de vous le dire. Regardez ça, j'adore ça. Le petit drapeau. Ça, c'est 21e siècle. Ça, c'est des petites attentions. Les petites finitions, là. Regardez-moi ça, c'est pareil. On retrouve l'esprit. Ici, ça, c'est des jeux de loup, des feux de jour. Les feux de jour, là. Oui, en carré. On a l'impression d'avoir même un petit look racing de course. Ça, c'est du super style, les gars. C'est du style. 21e siècle avec ses ancêtres, années 80, tout est mélangé, là, melting pot, shaker, paf, ça nous donne ça. C'est superbe. Autre petite chose aussi que j'ai oublié de vous dire, la couleur, c'est la couleur de série, ça. Le vert pétillant, là, avec des paillettes un peu partout, là, ça se voit mieux à la lumière, là, peut-être ici, là, on voit bien les paillettes. C'est deux séries, c'est 0 euro d'office, elle vous est livrée avec cette couleur vert pop. Ouais, c'est pop, c'est gents. Trop bien, non, elle est vraiment superbe. La petite attention, pareil, des stries, là. Non, il y en a plein. En tout cas, on pourrait faire le tour un paquet de fois. C'est juste magnifique. Vraiment, une réussite, le style. Années 80, mais dans le 21e siècle. Génial.